Yo les amis, comment allez-vous les amis? Ça fait trop plaisir, pardon, d'être avec vous ce soir. Attendez voir. Tac. Parce que du coup. Oui. Ah bonsoir. Ah monsieur Ced, qui est là. Il est arrivé entre temps. Jiffy, monsieur Jiffy. Petit Ced, comment ça va ce soir? Comment vas-tu? Ça va super bien. Au week-end et toi mon poteau, comment vas-tu? Mais moi ça va. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous enfin sur les associés. Voilà. Et toi bien? Il y a monsieur Romagri qui se cache derrière là. Il est là. Voilà. Monsieur Romagri qui est ici. Bonsoir. Tout le monde. Ça va Rome, la forme? Ça va, la forme, ouais. Et monsieur Néo, là-bas, il se cache derrière. Je vois son nom, mais il se cache derrière son massé là-bas. Ah non, il est carrément là. Oui, mais il est où? Non, je suis dans le crameur, Ah, il est dans le crameur, il arrive en crameur, les gars, regardez-le. Le crameur. Monsieur Neosis Gaming, comment ça va, mon petit Juju? Ça va. Ça va, tranquillou, bah nickel. Et monsieur Romain, Romain Casa, où est-ce qu'il est? Il est toujours pas sur la partie, je crois. Il doit être chez la boulangère. Ou chez la coiffeuse, il m'a parlé d'une coiffeuse tout à l'heure. Là. Salut à tous. Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qu'on a de beau au programme? On a les vaches installées, parce que j'aimerais bien qu'on teste le... Bah, qu'on ait du lait pour faire du fromage, pour faire du... On peut faire du beurre aussi, il me semble, non, c'est ça? Nickel, donc là, je vais monter dans le petit 900 dédié qu'enfin on a pu mettre sur la partie. Regardez-moi cette bête, en vrai, les gars, il est magnifique. Il est magnifique. Donc on va l'utiliser dans cette vidéo, déjà pour aller chercher nos petites vaches. Voilà, on va commencer par ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre la petite bétaillère. Parce qu'on a une bétaillère, une magnifique bétaillère, qui est juste énorme, d'ailleurs. Le négociant, je crois qu'il est... Faut qu'on aille à la ville, là-bas, non, c'est ça? Il est tout au fond, tu vas dans le village. Yes, quand dans il est tout au fond, marchand d'animaux. On commence à faire attention au confinement, ou on s'en fout? Bah, on peut peut-être essayer de commencer, ouais, à faire attention. Le bureau, quand même, ma chérie, mais... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, on se calme, hein. Je ne sais où elle veut aller, j'imagine pas. Hein. Ouais, on ne peut pas imaginer non plus. On veut pas, non. Bah, merci en tout cas, Thomas, pour ce don de 2 euros. Oh non, j'ai été flashé. Ça y est, ça recommence. Encore, j'ai perdu la voiture. Allez. Oh, vas-y, elle prenait dans l'autre sens. Pourquoi elle prend dans ce sens-là? Au marchand d'animaux, tout est animé. Tous les animaux. Ah oui, les chèvres. Est-ce qu'on peut mettre les chèvres, les gars? On peut pas les mettre, les chèvres. Oh, mais je savais pas que t'étais fan de Marseille. Eh bien, regardez. Regardez, nous sommes avec les joueurs de Marseille ici. Regardez ça. Les joueurs de Marseille sont là. Regardez. Non, je rigole. Je rigole. On a déporté pas mal en même temps. Il y a du matos déjà. Dites-moi dans le chat. Montbéliard. Allez, Montbéliard. Par contre, elles ont pas du tout la même gueule que. Ça a pas d'incidence sur la production. Normalement, non. Sur la production hors saison. Okay. Même avec le mode saison, t'as aucune incidence sur la production. Il veut faire une Jiffit, c'est ça. En saison, les Primolstein produisent plus de lait que les vaches à viande. Regardez-les, les bleus, ils sont là. Ils sont là, les bleus, regardez-les. Je vous vois. On vous voit, les amis. Sinon, j'en ai pressé, moi. Eh ben, va presser. Tu peux aller prendre, et moi, je vais aller faucher le deuxième champ de soja là-bas. Vas-y. Non, le massé. Continuo. Merci. Ah, moi, j'aime pas le massé en blanc. T'aimes bien, toi, Seb? Je trouve qu'il est stylé. Tu vois? Mais on dirait qu'il va passer les pareuses là avec ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Attends. Ah, mais il y a un gros silo là derrière. Ah, oui, je l'ai pas vu celui-là. Ah, pourquoi je veux écrire? Je veux pas écrire. Ah, là je peux. Très bien. Donc de la bétaillère à la ferme. On a tous un hobby dans la vie. Klaxon, s'il te plaît. C'est quelle touche déjà sur. C'est pas la même que toi, moi je suis en manette. Non, c'est zéro, non? Zéro. Oh bah c'est un petit klaxon, il n'y a pas les trompes dessus, les gars. Il y a des chances. Les gars, je roule doucement. Merci. Et là, j'ai plein de balles. Ah bah si tu veux. Oh non! Je me suis encore fait flasher. Oh, mais j'ai pas pensé, ils font chier. Ils nous coûtent cher. C'est même que sur ETS, je te jure. Ça coûte moins cher quand même sur farming que sur ETS. C'est pas 400 balles. Ah, il y a notre radar là. Ah, ça passe. Fit. Ouais, il y a deux voitures là, attention. Il faudrait qu'on paille. Est-ce que vous avez acheté une pailleuse ou pas les amis, ou pas du tout? Non, vous avez alors, pas. Moi j'ai acheté la mélangeuse mais pas la pailleuse. Pourquoi tu as acheté une mélangeuse? Non, c'est parce que je voulais faire mais oui, c'est oh quel con. C'est pas grave, t'inquiète pas. Oui, vas-y. C'est la plus chère, je suppose. Oui, il a pris la belle Schlittmacher, elle est jolie cette petite Schlittmacher, mais elle ne servira à rien. Bien. Oui, la grosse, ouais, prends la grosse, oui, comme ça. On n'a pas trop le choix, c'est la plus grosse. Vas-y. Faut mettre des vaches dans la prairie. Hein. Ah si, il y a les pics là, il est là le pic, non? Ouais, j'ai pas le choix, les gars, je vais le faire comme il ça. Il reste du charbon de bois ou pas? Oh oui. Sur les étagères, oh le radar. Non, il n'y a plus.
Y a plus rien. Je joue avec la tronçonneuse, les gars. Je joue avec la tronçonneuse. Attends, oh, oui, utiliser le vertige. Là, voilà. Donc là, je me mets dedans. Mais on n'a pas le. Attends. Alors, attends, activer. Ah, faut mettre le moteur en marche, d'accord. C'est plus facile, ouais, j'avoue, j'ai pris la solution de facilité. J'avoue, j'avoue. Ah, vas-y, Rome. Mais t'aurais déjà mis. Moi, on a déjà mis une barre, puis on va voir ce que ça fait. Bah, attends, je vais t'emprunter, Rome, du coup. Ah, vas-y, moi, je vais aller. Je vais péter 9 points. Mettre de la paille dans la mélangeuse. Alors, par contre, je sais pas si tu l'as trouvé. Non, mais à côté, approche-toi, puis tu. Menu stockage des balles, voilà, c'est ça. Du coup, on sélectionne, on en sort. Tu peux sortir ce que tu veux. On peut en sortir jusqu'à 6. On va en sortir 3 du coup. Ça vaut le détour, les amis. Voilà. Si vous voyez. Il y a les jambes chromées et tout. Le crameur, il est magnifique. Hein. Ouais, il est chouette. C'est de l'ancien. Il va falloir qu'on mette, les gars. J'ai un problème. Dis-nous, vas-y. J'ai envie pour donner un Et mon Rome, il s'en sort avec ses miches parce que là, depuis oui, le temps, on l'écoute plus, Rome. Il est avec la boulangère. En général, quand on l'entend pas, quand on l'écoute pas, c'est pas bon. Non, c'est pas des conneries, je cherche des copeaux de bois. Oui, mais je sais plus où il spawn le matos. Eh ben au magasin. Devant le magasin. Je cherche le magasin. C'est où il y a le tracteur, oh, où il y a le tracteur vert dans le village. Où il y a le tracteur vert, c'est dans le village. Ah, dans le village, Du coup, il y aura pas de vidéo dimanche, mais il y aura un live lundi matin, les gars. Parce que je n'aurai pas le temps de tourner une vidéo pour dimanche. Lundi matin, lundi de la Pentecôte, les gars. Live TS2 en Sardaigne, on visite la Sardaigne. Oh non, mais, non, mais t'inquiète pas. On arrive de faire de la merde comme tout le monde. Oh oui, non, mais comme nous, non. Oui, Audrey, va nous faire un café, bordel. Ouais, Audrey, va nous faire un café. Va-t-on faire ça là. Bon. Il faut encore mettre de l'ancien, mais les gars, on va changer de godet, on va acheter un godet. Moi, ça sera avec un sucre, s'il te plaît, Audrey. Et là, on a 30 millilitres, les gars. 30 millilitres de. Ok, bon, nickel. Par contre, on va prendre le massé de Juju, là, il va rien nous dire si on nous pique. Pour mettre la benne dessus directement. Tu peux, vas-y, vas-y. Pas vu, pas pris. Non, on rigole, les animations, on rigole. Je crois qu'il y a l'élevage de castor. Ouais. Ah, ça reste à vérifier. Ça remplit automatiquement, comment ça se passe là? Ou c'est peut-être pas. Ah, mais c'est pas fini encore d'être traité. On a deux modes sur la Et ça se remplit super vite, les gars. Et ben, les gars, ça passe pas tout dans la mélangeuse, dans la benne, c'est fou ça. Et il est où le truc à chaud, les enfants? Parce que. Alors, je sais pas si on en a un. Il y a la carrière qu'on a. Oh, en même temps, on a que 15 vaches, alors est-ce que. Oh, oui, on va en acheter d'autres, les gars, peut-être. C'est pas notre shit, l'histoire, là. Bah, c'est plus ou moins maintenant, bah, on essaye. Non, et après, on est censé. On essaye, après, bon. il fait beau. Mais oui, Skarner, il fait beau. Oh putain, j'ai un coup dans la. Et les vaches, elles sont trop belles aussi. Ouais. Ils sont en train de brouter la paille là, c'est bon la paille les gars, mangez les filles, mangez. Tu veux pas faire autre chose Romain de... Depuis la semaine dernière tu fais du pain quoi. Non, les copies mon Romain, ça, oui. Ça va. Là, est-ce qu'on peut prendre des veaux dans la bétaillère? Je pense que oui. Si on peut prendre des chèvres, on peut prendre des veaux quand même. Oui, tiens, ouais. Non. C'est énorme. Ah oui, regardez, ils sont tous empilés les uns sur les autres. Impeccable. Mais tu l'as où ce mode d'ailleurs là? Ah, il y a un radar là. Sur le site de ceux qui ont fait le mode. D'accord, ok. Où est-ce qu'on les décharge les petits veaux? Ah, peut-être devant la barrière là-bas. Je vois une petite barrière là. Bah, ouais. Pareil. Papa Pascal. Ouais, bon, Pascal, ça peut passer. Ça fera beaucoup de plaisir si je te les donne. Mais un en route. Ah, faut mettre en route le robot de traite. Faut être full, ah, ouais, non, mais non. Mais merci les gars. Il n'y a pas de bug, il faut juste baisser vos résolutions. Reste dans les parages parce que. Non mais les gars, mais faut activer le robot de traite. Ça va y prendre fort. Ah ouais. Ah oui. Ça, Juju, me l'avait pas dit. Y'a le truc, Juju. Milk level. Commencer le remplissage. Ah ouais, mais si je fais pas tout. Alors, je passe à travers charme, il faut pas regarder. Et donc personne là. Ah, et là, on a notre seau de lait qui est là. Tout à fait. Ah oh, putain, faut juste que j'arrive à me mettre du bon. Ça, c'est chiant en vrai. Faut juste savoir où t'arrives en fait. Voilà. Ah! Fais gaffe, Juju, je vais te renverser un saut de lait par la tête, hein, fais gaffe. Je suis passé à côté de l'arbre, je l'ai pas touché. Et du coup, comment ça se passe? Ah, bah ça se remplit. Bah y'a rien à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans les champs, les amis? Ah oui? Il y a peut-être qui est en train de passer la chaux. Bah tu peux venir semer après, Jérémy, je suis au champ numéro. Bon, attends, je vais peut-être ranger l'idéal quand même, l'accès qui a mis ça là comme ça. Oh là là, les gars. Et ouais, parce que bon, bah, je vais pas l'acheter tout de suite du coup. Il faut aller vendre du grain, vous dites là? Ouais, tu peux aller vendre une bête de grain. Ah, il y a l'Athéna, ben oui, il y a la slip. Il y a la slip Athéna qui est là. Non, c'est la mettre. Oui, c'est ça, Silver, à côté de. Ah, la voiture! Bon, ça passe. La voiture, oui. Alors, ça va être là, Raffenzine. C'est vrai, ma chérie, vous avez jamais vu? Ouvre les yeux.
Ouvre les yeux, mon dieu. Ouais, ça vend tout. Ça, c'est bien, ça. Oula, ah, ça passe pas là. Avec sa banlieue, son chef-d'œuvre et son train. Ah, désolé, j'étais en plein lag. Mais le tracteur a pas bougé, lui, par contre. Hein. Ah, j'étais en plein lag. Non, non, ils sont plus là. Ils sont plus là, c'est mon pur. Ouh là, celui-là, il était beau, là. Beaucoup de lag. Tu le site master, on peut faire que le blé, non? Blé or. Bah les semences, tu fais les semences pour tout, hein, mais faut du blé pour les faire. Ah, faut du blé pour les... Ah oui, c'est ça, je suis con. Oui, après tu choisis la semence que tu veux une fois que c'est dans le... Jérémy, Jérémy 30 ans, il découvre Farming Simulator. Juju, il a dit, il faut déjà enlever la bâche. Il faut mettre le moteur en marche. Oh là, je commence à fatiguer les gars. Oh putain, c'est pas bon ça. Quand je commence à bailler, tu vois la vache. Tu, aussi, tu peux y aller avec le cramer, Pierre. Et yes, c'est ce que j'ai fait. Laissez-moi produire ma semence. Je peux pas donner pour tout le monde, moi, vous le savez. Je suis vu, il m'a chargé, alors je vide. Écoute, on va tester celui-là. Du coup, j'achète une palette, Rome. Et tu peux aller la chercher, du coup, avec le Gator. Ah bah, j'y suis là, je suis en train d'y aller. Il a pris le mon 900, il a pris. Ah non, c'est 800 que t'as pris, Ced. Oh, je sais pas, j'en ai pris un après. Après, t'as pris ce qu'il y avait. Mais regardez. Par contre, ça bug. Oh là. Hop, 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 hop. Thomas les gars, mets la sangle, mets la sangle, mon dieu. Mais non, ça tient, regarde. Non mais il y a le radar ici les gars. Oh, il y a la boîte à images qui est là, bordel de dieu. La boîte à images là. Oula, ça lag là. Oui, merde, faut que je fasse gaffe moi. Bon, tu y arrives, Romain? Oh, oui, ouais, mais je fais gaffe au radar. Il tient pas debout. Auto Jérémy, qui roule sur deux roues. Ah, mais t'as... Mais oui. J'ai fait de farmer. Ah oui, mais c'est que t'en fais voir, t'en bouge pas. Là, non. Oh la vache, là. Oh putain. Je porte ma palette à bout de bras. Et ça, c'est beau. Salut Gilou. Et ça, c'est beau, c'est vrai. Salut Gilou. Allez, Gilou. On va tirer le Seedmaster. Il te rentre dedans. C'est bon. Oui. Et là, t'es bien, vas-y, poto, vas-y, vas-y. Ah, si ça commence à descendre, ok. Donc là, c'est bon, touche plus à rien, c'est parfait. Je vais dans la machine, et là. Semence, voilà, commencer le déchargement, et là. Voilà. Vidéo demain sur la chaîne de Juju, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ouais. Donc, petit Ced, toi, t'es en live dimanche, c'est ça? Dimanche avec toi, et vidéo demain matin. Et une vidéo demain matin aussi, ah, sur ETS2. Merci à toi, mon petit Romagri. Merci, mon petit Romain. Merci à toi, également, d'avoir été là. Et on vous fait des bisous. Et passez une bonne nuit, les gars, parce que c'est l'heure d'aller se coucher. Ciao, tout le monde. Ciao.